En fait, les deux e-books, vous avez des actions à mettre en place. Et c'est logique. Si tu ne prends pas de notes et si tu n'imprimes pas ton e-book et si tu n'es pas prête à prendre les actions, je te le dis simplement, tu n'es pas prêt à avoir un business. Je vois en fait sur mon Instagram, sur mon YouTube, que vous voulez vraiment changer votre vie. Et moi, je parle à ce type de personne, les types de femmes, qui est prête à passer au changement, qui est prête à prendre de l'action, à faire quelque chose pour elle-même en fait. Say hi! Regarde, je sais que t'as peur, mais... Hi! Salut la DLC gang! Donc voilà la famille, je vous présente enfin Kelito, voilà. Donc c'est ma mère et mon frère qui a préparé la surprise en fait. Pour rien au monde, ils vous regardent en fait. Regarde Kelito. C'est My name is Kelito. Miaou! Bisous! Hello les assez gang, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc du coup j'ai... Stop. Et j'espère que vous allez bien d'ailleurs. Je vais vous parler rapidement de Guadeloupe. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que j'y étais. Et j'y étais pour me concentrer vraiment sur l'ebook et travailler sur l'ebook. J'ai bien avancé en Guadeloupe, il n'y a pas de souci. Première chose, c'est que les vlogs arrivent après ceci. C'est parce qu'il fallait absolument finir l'ebook avant et finir la vidéo de présentation de l'ebook avant. Comme ça, après, je pourrais me concentrer sur autre chose et qu'on pourrait reprendre les choses comme d'habitude. J'ai reçu beaucoup de questions et là maintenant, ça se transforme en coaching. Là, les filles, elles me demandent si je fais des appels, les coachings, etc. pour les aider. Donc ça, c'est quelque chose à mettre en place. Je suis sur les e-books maintenant, là on est sur un produit digital. Ça me plaît énormément de voir que le premier c'était un succès. Le guide ultime des changements, vous avez vraiment aimé. J'ai vraiment eu que des bons retours sur l'e-book. C'est vraiment trop bien parce que je l'ai fait, c'était une première fois. Et ma première fois j'ai réussi. Le premier j'ai pris un mois pour le faire, c'était ma première. Donc je voulais être sûre que tout est parfait. Depuis que j'ai fait le premier e-book, le guide ultime des changements, j'avais déjà tout de suite, j'ai mis toutes mes notes sur tout ce qui me venait à tête. Les sommaires sont prêts pour l'année. C'est l'e-book en fait qui a été le plus demandé. Si vous allez acheter l'e-book d'aujourd'hui, j'espère que vous avez déjà votre guide ultime des changements. Justement, c'est des changements à mettre en place pour vous préparer mentalement pour commencer un projet sur le long terme. C'est essentiel. Donc si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez l'avoir aujourd'hui. Il vous faut les deux en fait. C'est pour ça que j'ai créé le premier avant. Comme ça, quand le deuxième va sortir, vous avez déjà le premier. En quoi cet e-book pourra vous aider? Le premier chapitre, c'est votre passion, votre métier. Deuxièmement, votre présence en ligne. Troisièmement, le logo parfait. Quatrièmement, obtenir de l'aide. Et chapitre 5, 8 choses à faire. Le chapitre 6, une idée pour un véritable lancement. Et le chapitre 7, c'est des conseils et des bonus. C'est pas évident de justement savoir par quoi commencer, avec quoi, avec quel produit, quel type de business. C'est pas évident. Donc, je vais vous expliquer comment commencer en fait à trouver le produit ou le domaine ou le service. Enfin, on va établir tout ça, on va parler tout ça. Je vais vous donner mes conseils, etc. et tout. Plusieurs idées, plusieurs catégories en fait pour trouver ce qui vous convient pour lancer votre premier business. Vraiment énormément de conseils. Vous avez vu le premier e-book? En fait, les deux e-books, vous avez des actions à mettre en place. Si tu as pris le premier e-book et tu n'as pas mis des actions en place, tu n'as pas réfléchi à plus loin, etc., c'est que tu n'as pas pris le temps de bien lire ton e-book. Donc, relis-le. On va parler des plateformes, on va parler de votre site web. Encore une fois, je vous explique aussi les erreurs que j'ai fait et les erreurs à ne pas faire. Donc mon but en fait, c'est de vous éviter de passer par là, parce que justement, je suis déjà passée par là. Il y a plus en fait là, c'est juste le premier e-book. Donc je pense que là, ça va être version 1 et après, il y aura la version numéro 2. Je vous ai expliqué comment faire le logo parfait. Et oui, on va faire les choses étape par étape. Donc il y a pas mal de fois où je vous ai mis vraiment des schémas, etc. pour vous aider à faire les choses étape par étape pour pas vous perdre, etc. Mais comme je vous ai expliqué, vous aurez absolument des notes à prendre. Et c'est logique, si tu ne prends pas de notes et si tu n'imprimes pas ton e-book et si tu n'es pas prête à prendre les actions, je te le dis simplement, tu n'es pas prêt à avoir un business. C'est logique en fait. Je suis vraiment contente en fait que j'ai pu enfin réaliser ce projet. Je vois en fait sur mon Instagram, sur mon YouTube, que vous voulez vraiment changer votre vie. Tu vois, et moi c'est ce type de personne, ce type de femme, parce qu'on est plus de filles, hein, on est plus de filles. Mais comment vous dire, c'est vous en fait. Si tu es là et que tu regardes cette vidéo, c'est soit parce que tu as déjà un business, ou soit l'entrepreneuriat t'intéresse, ou soit tu veux commencer ton business. Et moi je parle à ce type de personne, les types de personnes, type de femme, qui est prête à passer au changement. Tu vois, le premier e-book c'était ça aussi. Je parle du changement, qui est prête à prendre de l'action, à faire quelque chose pour elle-même en fait. Même si c'est pas facile au début, ça va jamais être facile. Si c'est facile, c'est que c'est pas bon. Il y a un souci, je te le dis clairement. Même les gens qui sont les plus riches, ils sont des gens qui travaillent avec eux. Il faut trouver des solutions à des problèmes. Il faut des réunions, il faut parler, il faut trouver des solutions tout simplement. Donc c'est jamais
facile. Ok. Je parle vraiment à les filles et je veux vraiment aider les filles qui souhaitent faire quelque chose, tu vois, qui souhaitent utiliser leur réseau pour quelque chose. Le premier ebook, je vous explique la définition de AEA, de comment j'ai commencé mon histoire. Les autres ebooks, il n'y a pas ça. Mon objectif, en fait, c'était de créer le guide des changements pour après commencer à vous aider dans vos projets, etc. Donc, comment créer un business facilement en 2022. Après, je vais vraiment aussi vous aider à comment transformer votre idée en un produit physique. Comment transformer vos idées en fait à quelque chose de réel, à quelque chose que vous pouvez voir, ressentir, toucher. Et ça, c'est juste trop trop bien. Moi, comme je vous ai dit, je serai au rendez-vous. Donc j'espère que vous aussi. Comment faire pour commencer à vendre ce produit? Le plus compliqué, c'est de commencer à le vendre. Mais après, dès que vous allez comprendre le système ou comprendre ce qui marche pour vous, etc., ça va être beaucoup plus facile. Donc non, tout n'est pas compliqué dans un business parce qu'il y a des choses que tu pourras faire en 2-2. Il y a des choses qui vont te demander plus de temps et plus d'efforts et plus de recherches. Il faut savoir que quand j'ai commencé mon business, à force de faire des nuits blanches en faisant des recherches, je faisais des paralyses de sommeil. Donc c'est-à-dire la paralysie du sommeil est un trouble qui peut survenir pendant l'endormissement ou au réveil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était grave. Ça me donne des frissons parce que je me rappelle, aujourd'hui j'en ai plus, mais au début, quand je veux faire quelque chose, je voulais absolument avancer, je voulais absolument apprendre, je voulais absolument faire des recherches, donc j'étais curieuse à savoir comment les autres personnes font. Et au début, je n'ai pas demandé de l'aide à personne. Ok, aujourd'hui, pas grave. Je vous explique aujourd'hui de demander de l'aide justement. Même avec Dieu, tu fais le premier pas et Dieu il fait le reste. Si tu fais pas le premier pas, Dieu il va rien faire. Donc c'est pareil en fait, je faisais des paralyses de sommeil. Donc c'est-à-dire que j'allais dormir très tard et je me réveillais en temps normal parce que dans ma tête, c'était je veux savoir si, je veux faire si, je veux créer mon business. Donc le fait que je travaille, après je rentre, je suis sur l'ordinateur, je fais des recherches. Donc je vous expliquais que le fait que vous me posez des questions, ça m'a emmené à ce point aujourd'hui où je vous donne vraiment les e-books avec les conseils. Je vous donne les astuces, les conseils, etc. Mais il faut mettre l'action en place. Sinon, ça ne va pas marcher. Je t'explique comment créer un business. Je te donne toutes les étapes, tous les conseils, toutes les choses à faire, à ne pas faire. Mais si tu ne commences pas, le business ne va pas se créer tout seul. Non, it's not. OK? It's not. Donc voilà, après, on parle aussi de la communauté parce que faut savoir que tout le monde a commencé quelque part. Vous pouvez être en train de vous comparer à des filles qui ont déjà leur business, qui sont déjà loin, etc. Elles sont déjà presque millionnaires. Désolée, tu ne peux pas te comparer à ce genre de personnes. Je suis là aujourd'hui pour vous éviter de faire ce genre de choses parce que c'est toxique. Il y a une différence si vous voulez vous inspirer, tu vois, si quelqu'un vous motive à faire le meilleur de vous-même, en fait, à vous pousser à être mieux. Il y a une différence. Mais se comparer à quelqu'un en si peu de temps, alors que la personne elle a peut-être pris 5 ans, 10 ans pour en arriver à là, et aujourd'hui tu te compares à elle alors que tu as commencé hier. Make it make sense because it's not. Créez votre communauté. Encore une fois, on va parler du premier ebook. Je vous ai expliqué que si cette personne ne vous soutient pas, cette personne elle va vous soutenir. Quelqu'un que vous ne connaissez même pas, ça peut être dans un autre pays ou autre, va vous soutenir. Et c'est vrai. Croyez-moi. Ça, je peux vous le dire à 100%, c'est vrai, je suis en train de le vivre. Hein? Donc, je vous donne aussi les questions à se poser parce que, encore une fois, si tu ne te poses pas certains types de questions, personne ne va les poser pour toi. Donc, je te donne vraiment une liste de questions à te poser quand tu vas commencer à vouloir mettre ton projet en place, tout simplement. Et vous allez y répondre. Et je veux que vous soyez sincère avec vous. Je veux vraiment que vous soyez réaliste aussi. Vous voyez là comment votre go, là, elle a travaillé, là. Ouais, mais j'ai travaillé pour vous. Donc, c'est gagnant-gagnant, en fait. Je travaille, je vous rapporte les informations et l'aide que vous avez besoin pour avancer dans vos projets et créer votre business en ligne aujourd'hui. Hein? Parce que, à ne pas oublier que les fêtes arrivent, fin d'année arrive. C'est maintenant qu'il faut commencer à créer votre business. Quand les fêtes arrivent, ben, les gens vont déjà vous faire confiance, déjà vous connaître un petit peu pour commencer à acheter ce que vous proposez. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais absolument finir l'ebook pour l'été. Donc, ça vous donne la chance et l'opportunité de commencer à travailler maintenant. Si vous êtes étudiant ou autre, vous avez le temps maintenant de travailler sur vos projets. Mais j'ai pris la décision de travailler sur l'ebook et d'avancer sur mes projets au lieu d'aller... voilà, je préfère travailler maintenant et après profiter sans souci. Voilà, donc chacun leur priorité, on va dire. Donc moi, ma priorité, c'était de vous aider pendant cet été pour que vous puissiez avoir le temps
parce que c'est les vacances, donc le temps de mettre votre projet en place. Je vais mettre le lien du live dans cette vidéo juste en bas, comme ça vous pouvez regarder le live après. Donc j'espère que le e-book va vraiment vous aider. Ah oui, info super important, l'e-book va être à 20€ pendant 24 heures, ensuite elle va passer à 39,99€. Donc vous avez 24 heures pour avoir votre e-book à 20€, ensuite le prix elle va augmenter, donc n'hésitez pas à être au rendez-vous. Je vous dis à très vite pour les vlogs en fait, parce que j'ai pas mal de vlogs à vous partager. Vous avez le lien pour votre e-book juste en bas. Et voilà.